die Kölner und Mönchengladbacher. Am Ende nach wie vor Dresden, Leipzig und jetzt der VfB. Manque de prise de risque, mais je vais encore dire malheureusement pour eux, eh bien, et heureusement pour eux, c'est aussi la course, malheureusement pour les coureurs qui ont chuté. Eh bien, c'est ça parfois un petit peu de chance, surtout dans les disciplines à risque. Et cet après-midi nous a prouvé que la piste avait aussi beaucoup de disciplines à risque, malheureusement, puisque là, les chutes, c'est vrai, étaient vraiment groupées. Alors nous avons pour l'instant les Slovaques qui sont en deuxième position et qui poussent les Grecs à se lancer. Alors, ils ne devraient pas avoir beaucoup de difficultés. Ça devrait passer tout seul, mais vous savez, après tout ce qu'on a vu, on peut se dire que tous les coureurs qui sont challengers ou outsiders, il peut se passer des choses. Je veux dire, c'est une vague parfois, vous savez, on se fait enfermer. Bon, nul doute qu'avec le métier qu'ont les Slovaques, ils ne vont pas se laisser promener, comme l'on dit. Les Slovaques, oui. ils sont dans le paddock, ils sont en train de se faire soigner. Les hommes de la République tchèque, et oui, ils ne devraient pas se laisser promener. Alors, c'est vrai que les Grecs préfèrent peut-être prendre la tête pour éviter d'avoir à frotter et à venir doubler. Dieu sait si en tandem, c'est très dur parce qu'un tandem, bien, c'est long et lourd et on ne peut pas se rabattre comme l'on veut. Ils le savent, les Grecs. Alors, s'ils sont un petit peu novices, ils vont essayer d'emmener le sprint en tête, mais nul doute que les Tchèques vont essayer de prendre la tête relativement tôt pour leur emmener un sprint long, parce que c'est l'idéal, avec les gros braquets qui, je vous le rappelle, en tandem sont en général de l'ordre de 50-14 et bien souvent 51 voire 52-14. Tout dépend de l'ambition de ces hommes, et puis il faut oser, hein. Tout ça c'est un petit peu c'est une organisation entre l'entraîneur et le tandem. C'est tactique, la tactique elle est sur la piste également entre les Grecs qui sont toujours devant, à une longueur derrière les Tchèques qui nous ont réservé tout à l'heure un numéro d'équilibriste sur l'arrivée, donc après cette chute, après s'être frotté à leurs voisins slovaques. Et du coup, les Slovaques ont fait les frais de l'opération. Les Grecs qui commencent à accélérer, les Tchèques toujours derrière. Voilà, c'est parti avec les Grecs qui démarrent devant et les Tchèques qui embrayent derrière. Oui, les Tchèques qui vont essayer de prendre la tête très très tôt. Alors, ou au-dessus, et ça paraît une évidence, ou bien si en essayant de faire une vague, les Grecs montent un petit peu trop tôt, et bien les Tchèques essaieront de passer dessous. Vous voyez que les Tchèques prennent en point de mire les Grecs. Ils se lancent, et vous allez voir, l'effort va se faire sortir de ce virage. Ligne opposée, ça devrait passer tout seul. La vitesse est évidente plus vite. Et oui, ils vont se rabattre maintenant. Course perdue pour les Grecs. Les Tchèques ont débordé par le haut sans aucun problème, mais c'était attendu. Les Grecs se relèvent. Victoire sans problème des Tchèques qui se qualifient donc au terme de cette séance de repêchage beaucoup moins mouvementée que la première. Les Grecs, eux, sont éliminés. Les demi-finalistes, les trois autres demi-finalistes sont les Italiens, les Australiens, l'Allemagne. Rien de plus logique dans le déroulement de cette compétition. Alors que nous devrions, après l'effort, c'est le réconfort pour les femmes de la course au point d'âme, c'est-à-dire la cérémonie protocolaire. Voilà les Tchèques, hein, vous appréciez, qui ont débordé sans aucun problème les Grecs à une classe de différence. Ah oui, Christophe, entre ça ne pardonne pas la différence de vitesse en tandem. Aussi la bonne combinaison de deux athlètes, être compact avant tout. Les demi-finales du tandem avec l'Italie, l'Australie, l'Allemagne et la République tchèque qui vient juste de se qualifier. Mais on n'a pas vu, qui nous surprend un petit peu parce que bon, il garde sa ligne, mais c'est vrai quand même que même s'il bouge un petit peu, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de dégâts. Je crois qu'il vient pas de là, le problème vient aussi qu'ils ont été un petit peu échauffés, ces juges, parce qu'ils venaient de voir deux ou trois chutes et puis ils se sont dit mais où va-t-on ? Et c'est peut-être ce qui a fait que cette même série, c'est-à-dire l'exclusion de Fabrice Colla, et bien Fabrice Colla a tout à fait payé les pots cassés des autres séries. C'est tout. C'était trop en fait. Voilà. Il y avait eu beaucoup trop de chutes et puis il fallait faire quelque chose. Alors la deuxième série avec Frédéric Magnier, Nicolas Koch et Lars Brian Nielsen. Alors que peut-on penser de cette manche de Kering à 3? C'est un petit peu, on va pas dire déplorable, mais ça nous laisse un peu songeurs. Bah oui. Une manche de Kering régulière, ok, parce que toutes les vagues, ça fait partie de la course. Alors comment que ça se fait, hein? C'est pas bien normal. Lars Brian Nielsen qui a lui changé de vélo. Il avait un vélo carbone et puis là il a un vélo acier parce qu'il l'a tout simplement cassé dans sa chute. Alors c'est vrai que ça nous laisse un petit peu songeurs parce que Koch, Lars Brian Nielsen et Frédéric
Frédéric Magny, eh bien oui, c'est un petit peu drôle, trois coureurs pour une manche de Keyring, eh bien ça discrédite un petit peu, on est un petit peu déçu. Recours cette manche donc qui a été annulée, et donc mais néanmoins pas de changement, les deux premiers seront qualifiés. On va vous donner le nom des autres qualifiés en attendant que le dernier swing. Eh bien pour l'instant nous avons Toshimasa Yoshioka et un autre japonais, Yuji Yamada, qui se sont qualifiés lors des séries précédentes. Nous avons également l'américain Marty Nonstein, quatrième de la vitesse, et nous avons le champion du monde de la vitesse également, Gary Newend, qui s'est facilement imposé tout à l'heure face à Yamada, face à des hommes comme Stephen Pate et Kurt Arnett et à Brian Dandanel, du beau monde quand même, mais Gary Newend est tellement fort cette année. Et puis il faut quand même souligner que dans la première série, celle remportée par Yoshioka devant Nonstein, eh bien là aussi il y avait eu une chute qui a quand même écarté l'un des principaux favoris de cette épreuve, c'est Bill Huck, ancien champion du monde, Bill Huck, qui a touché la roue du japonais Yoshioka et qui a fait tomber Vincenzo Tucci, lui aussi pas mal non plus dans le Keirin habituellement. Alors on peut s'interroger pourquoi ? Eh bien parce que là, quand le dernier va swinguer, ils ne seront plus que trois hommes en piste, ça nous fait penser à quoi ? Malgré que ce soit une série de Keirin, ça nous fait penser à de la vitesse. Est-ce que les hommes ont gardé un gros braquet ? Voilà la différence. Parce que si c'est une série de vitesse et que ça monte un petit peu au balustrade, le 49-14, c'est-à-dire le gros braquet, le 46-13, ça n'a plus aucun sens. Ce ne sera pas emmené si c'est une série de vitesse. Les hommes vont un peu s'épier. Alors on se demande, alors, et s'ils ont gardé le grand braquet, ça va se courir comme une manche de Keirin, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça monte au balustrade, c'est pratiquement une série de vitesse. On en est désolé. Et puis c'est aussi ça. Si Frédéric Magnier, Nicolas Koch ou bien Lars-Brian Nielsen veulent passer en finale, eh bien c'est à ce prix-là. Alors à mon avis, et ça se voit comment ces coureurs, tous les jambes, ils ont diminué le braquet. Et puis c'est presque une éliminatoire finalement, parce que seul le dernier est éliminé, les deux premiers sont qualifiés, il faut donc pas forcément aller chercher la victoire, mais en tout cas chercher à ne pas se classer en dernière, pour se placer en dernière position. Et Frédéric Magnier qui a compris le danger, alors il préfère prendre la tête parce qu'il sait que les deux coureurs derrière vont se gêner. Lars-Brian Nielsen qui est l'homme qui est le moins vite et le moins judicieux, qui aura le moins de tactique sur ses hommes. Nicolas Koch qui attend pour repousser Lars-Brian Nielsen. Nicolas Koch qui maintenant travaille pour la deuxième place. Le but ce n'est pas d'aller battre Frédéric Magnier et de gagner, mais c'est surtout de se qualifier, ce qui va sûrement se passer. Lars-Brian Nielsen qui se relève maintenant, c'est fini. Frédéric Magnier et Nicolas Koch qualifiés pour la finale du Keirin. Et ben voilà, cette fois-ci on connaît tous les qualifiés pour cette finale, et là attention, on aura du vrai Keirin. Et on est encore une fois désolé, on est un petit peu resté sur notre fin, c'était très joli ce qu'ils ont fait les Français, et je vous dis, on a vu des choses pires dans les séries précédentes, sans que ça tombe, même avec les chutes, des choses pires, ouais, qui sont passées. Alors les juges en avaient assez, je crois que la pression est trop montée, ils faisaient trop n'importe quoi, et puis voilà, et c'est pas passé. Alors que l'on revoit l'attaque de Frédéric Magnier, il faut quand même souligner que peut-être, vous allez me dire si c'est une bêtise, mais on a vu Fabrice Colla au départ de cette série où il y a eu la chute, on a vu Fabrice Colla faire énormément de vagues, impressionner, essayer de faire le vide derrière Frédéric Magnier de façon à écarter les principaux prétendants à la victoire, c'est-à-dire Michael Hübner et puis Eric Skoufs. Est-ce que ce n'est pas également là finalement que le Français a pu être sanctionné? Oui, il y a un point important, il a sûrement été sanctionné là, le Français, c'est-à-dire que le Keirin, vous savez, le Keirin, ça subit un petit peu une réputation. Oui, le Keirin c'est bien, ça tombe. Mauvais point pour le Keirin, mauvaise publicité. Les Japonais sont les premiers à dire mais non, il ne suffit pas de tomber comme ça pour être bon en Keirin. Et à la limite, c'est peut-être la fusion de ces idées, la mentalité des Japonais en disant le Keirin, c'est pas n'importe quoi. Les juges aussi qui veulent montrer que s'ils conservent le Keirin, qui a eu chaud à une époque au niveau de l'élimination des championnats du monde, si l'UCI conserve le Keirin dans le rang des épreuves qui peuvent être courues au mondial, eh bien c'est pour pas que ce soit n'importe quoi. Et ça, c'est une façon de garder la bonne publicité du Keirin. Alors on le déplore pour Fabrice Colla, et puis tant mieux quand même. Moi j'ai un petit coup de chapeau de ce côté-là, c'est pas souvent, parce qu'on conteste souvent les décisions de l'UCI, parce que le Keirin c'est pas n'importe quoi, ça montre qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de balancer, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis le Keirin c'est les plus forts, et c'est quand même une course régulière, et tant mieux. Et oui, parce qu'on peut faire des écarts lorsqu'il s'agit d'une épreuve de vitesse, lorsque nous ne sommes pas dans le tour final. En revanche là, c'était un petit peu, c'est différent de la vitesse, on peut pas vraiment faire de comparaison.
ce qui concerne les règlements. Et par conséquent, bon, bah, tant pis, Fabrice Collat éliminé. Il reste quand même une chance française. Tant pis, c'est peut-être dur à dire aussi pour Eric Schoof, qui lui n'y était pour rien. Il tombe dans la roue de Michael Hübner. C'est un petit peu la même sanction que pour Vincenzo Cecchi. Vous vous rendez compte, oui, Vincenzo Cecchi, vous le soulignez, Biluc, Michael Hübner, Schoof, mais c'est à la limite, ça s'est jamais vu. Hein. Ah non, moi, j'ai jamais vu ça, c'est assez fou, quoi. Pardon ? Non, non. Je vois Patrick qui me regarde en me disant oui, mais ça va pas tomber, parce qu'en blaguant, on en parlait comme ça, parce que tu n'es plus là. Ben oui, c'est vrai que Patrick Darrochet nous avait habitué en général à assumer à lui tout seul toutes les chutes d'un tournoi de Kirin, mais cette fois-ci il n'était pas là et finalement ça tombe quand même, alors on comprend plus trop quoi. Alors qu'est-ce qui se passait? C'est vrai, on revient un petit peu là-dessus. Est-ce que la piste décrochait? C'est vrai que ça a sûrement dû. Il y avait quelque chose un petit peu là, une piste neuve, il se passait des choses. Vous avez vu que les coureurs, dès qu'ils vaguaient un petit peu, eh bien les roues décrochaient. Ou alors une espèce de tension entre les amateurs et les pros, mais c'est les professionnels qui nous ont montré que c'était principalement eux qui étaient par terre, alors que penser. Ah bon, on va pas penser quand même qu'on tombe plus facilement quand on est professionnel que quand on est amateur. Non, mais enfin, on va peut-être plus facilement dans ces derniers tranchements. On essaye des tactiques qui n'oseraient être employées par les amateurs, parce que ces mêmes professionnels ont été au Japon. C'est peut-être envisageable aussi. Enfin, les faits sont comme ils sont. On va avoir une finale magnifique. Ouais, il faut quand même souligner que cette chute a été assez sérieuse. La chute de Michael Hübner, on rassure tout le monde. La chute du tandem n'a pas eu de conséquences graves pour les coureurs, même si on voit des civières. Mais enfin, la civière, vous savez, on la sort immédiatement. En revanche, pour la chute de Michael Hübner et d'Eric Schoof, là c'est un petit peu plus sérieux. Bon, ils ne sont pas, leur vie n'est pas en danger bien sûr, mais ils sont extrêmement brûlés. Cette piste est effectivement à ce désavantage, c'est bon, une piste qui glisse, on se met peut-être pas des écharpes, mais en revanche on se brûle énormément. Toutes les pistes en plus à la base brûlent, c'est vrai que c'est bon, une chute, que dire hein, Et on a vu tout à l'heure le corps mutilé de Michael Hübner dans ces conditions. On ne le reverra pas en finale, c'est dommage. C'est quand même il incarne lui le Kirin, je dirais entièrement, intégralement. Quand on pense Kirin, on pense surtout Michael Hübner. C'est vraiment le maître quasi incontesté dans cette discipline. Et bien, cette fois-ci, il ne sera pas en finale théoriquement ou non. De toute façon, c'est partie d'une tactique pour en revenir à Michael Hübner. C'est vrai qu'il savait éventuellement qu'il avait un problème à l'épaule et qu'il pourrait parcourir. Alors, est-ce qu'il était un petit peu revanchard pour Fabrice Collat, puisqu'il y a eu une réclamation qui a été posée en premier par Daniel Morellon pour essayer de revoir et de revisionner la cassette. Alors, c'est vrai que plus Michael Hübner faisait penser, et c'était vrai, la preuve c'est qu'il a parti de départ, que sa clavicule avait un problème, et plus les juges étaient influencés. Le métier c'est aussi ça. Enfin, on doute puisqu'il n'était vraiment pas au départ. Alors voilà, après c'est la guerre jusque-là, jusqu'à dans le paddock. Mais c'est une épreuve qui en sort un petit peu, je dirais, plus clean, et c'est pas plus mal. Manuel Rasch, champion du monde de tandem à Stuttgart en 1991. Marcus Nagel, l'Australie, composé de Stephen Pate, qui a tout juste le temps de descendre du kering pour remonter sur le tandem, parce que c'est un coureur qui fait un petit peu tout, à peine le temps de souffler. Associé à Danny. République tchèque, composé de Arnost Dromanek et Lubomir Argas, un habitué des courses de tandem et qui a été aussi souvent médaillé. Et puis l'Italie, composée de Federico Paris et Roberto Chiappa. L'Italie, justement, qui se place sur la ligne de départ dans le starting block aux côtés de la République tchèque. C'est la première demi-finale de ce concours de tandem. Italie, République tchèque, là c'est pareil. Normalement, il n'y a pas photo. L'Italie qui a réalisé le meilleur temps des qualifications en 12 secondes 500. 40 opposés à des Tchèques qui se sont sortis difficilement des repêchages. Alors on va essayer de faire des petits pronostics là, de là à penser que va-t-il se passer. Eh bien, il y a plusieurs choses là. On sait qu'au niveau de la vitesse, si les Italiens sont en tête, il sera très dur pour les Tchèques, et ils l'ont démontré tout à l'heure, ils n'étaient pas si faciles que ça. Ils n'avaient pas tant la capacité à venir sauter, c'est-à-dire à venir emboîter le tandem qui est devant eux. Donc ils n'ont pas 36 solutions, le but c'est de prendre la tête et d'empêcher ces Italiens qui sont très vite de prendre la tête et puis de se mettre dans leur allure. Et Dieu sait si en tandem l'allure c'est important. Encore une fois, et c'est un petit peu une façon de courir, une façon de pédaler que l'on retrouve dans les autres épreuves. En sur-régime, c'est-à-dire en surpédalage, si on n'est pas dans sa vitesse de croisière, je dirais, eh bien on explose, ça va pas. Et puis en sous-régime, il est impossible avec un braquet important et le poids surtout du tandem qui est complètement dans les bras du pilote de se remettre dans son allure. Alors voilà, l'idéal pour les Tchèques.
L'idéal pour les Tchèques serait eh bien, de se mettre devant et d'empêcher à l'Italie de faire sa course. Mais pour empêcher les Italiens de faire leur course, eh bien, il va falloir qu'ils se lèvent tôt. Ce sera, on ne va pas dire mission impossible, mais tout au moins très difficile. Heureusement qu'il y a deux manches. L'Italie donc avec ce tandem inédit, Federico Paris, Roberto Chiappa Paris devant le plus petit qui pilote. C'est un petit peu une surprise, on y reviendra. Qui pilote parce que Gianluca Capitano, ils ont été deux fois champions du monde ensemble, Paris et Capitano. Et bien Capitano, qui est présent dans ces championnats du monde, a désiré ne pas disputer cette compétition de tandem pour des raisons personnelles. Il ne se sentait pas dans un état de compétiteur, je dirais, avec tout ce que ça peut comporter, parce que c'est ça, l'athlète dans tous les sports, ça se passe comme ça, l'athlète doit être réglé au millimètre, avoir un moral d'enfer, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis voilà, et quand il y a un des deux éléments, ou bien le physique qui cloche, à la limite ça peut passer, mais le moral c'est très important, surtout dans une course de vitesse, en l'occurrence le tandem. Et puis il a préféré laisser sa place à Roberto Chiappa, et peut-être que Federico Paris n'a pas perdu au change. Les Tchèques sur la Côte d'Azur, pas en vacances, loin de là, mais ils vont essayer d'aller se placer devant, et les Italiens qui restent aux balustrades au sommet. Alors on les voit aller doucement, on peut imaginer du surplace. Il y avait une nation qui faisait le surplace formidablement, et bien c'était Fabrice Colas, Frédéric Magnier. Ils ne sont malheureusement pas là. Je crois qu'on peut le déplorer, hein. On aura l'occasion de revenir dessus, parce que sachons que la France, pour information, est un réservoir de sprinters, et il y avait largement des hommes pour conduire et pour prendre place sur ce tandem, mais c'est une autre histoire, nous y reviendrons un petit peu plus tard pour le souligner. Les Tchèques qui ont, entre guillemets, tout compris, qui veulent prendre la tête, alors qui forcent aussi, parce que les Tchèques sont assez forts, ils aiment bien la difficulté, la complexité. C'est vrai que les sprinters italiens aiment aussi voilà, la guerre des nerfs, se mettre en surplace. Enfin, gageons que se mettant sur place avec un tandem de 150 kg, il y a deux hommes là, il faut absolument pas que ça vibre. Je peux vous dire que le pilote, il n'a pas intérêt à faire un écart de plus, parce que c'est complexe pour bloquer le tandem. Enfin, c'est une petite piste, ils n'ont pas intérêt, hein. C'est en tandem, il faut absolument que ce soit lancé très loin. Et c'est la raison pour laquelle les Italiens ne se laisseront pas compter. Voilà, avec les Tchèques, c'est très tactique, on fait des vagues, on s'observe, les Tchèques qui sont pour l'instant toujours derrière, les Italiens qui sont devant. Attention, les Tchèques, effectivement, sont des malins, ils n'ont que ça, hein, ils ont que ça, la tactique pour se sauver, parce que les Italiens sont fondamentalement plus forts, et les Tchèques qui passent en tête maintenant, tout ça était prévu, Patrick. Oui, on pensait, ça paraissait logique en tandem, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas 36 solutions, mais déjà sur les grandes pistes en tandem, il vaut mieux être en tête. Alors imaginez sur une piste de 250 mètres, ça frotte un petit peu, en espérant et en croisant les doigts pour ces coureurs, que ça ne va pas, hein, que ça n'ira pas jusqu'à la chute. Federico Paris, tout droit devant. Le pilote qui lui doit écouter les conseils du deuxième homme, qui lui normalement est un tacticien, c'est le pousseur tacticien, le deuxième homme qui normalement doit rester la tête tournée pour ne pas quitter des yeux le deuxième tandem. Mais il est évident que s'il y a une initiative à prendre, les hommes ne vont pas se parler, il n'y a pas le temps de se parler, c'est du sprint, ça percute, ça va vite. Alors une initiative peut être prise par le pilote, et il est évident que ça doit tout à fait connecter tout de suite entre les deux coureurs, parce que encore une fois, il ne suffit pas d'être fort, il faut être homogène et compact, un petit peu comme en poursuite olympique. Et la décision va être prise maintenant, tout de suite, avec les Italiens qui lancent et les Tchèques qui se font surprendre, les Italiens qui débordent maintenant, et ça semble irrémédiable, les Italiens qui devraient normalement rester devant. Mais les Tchèques, gageons, les Tchèques vont essayer de réattaquer ce tandem, et vous avez vu, les Italiens ralentissent un petit peu pour empêcher le tandem tchèque de se décaler, c'est-à-dire de les prendre en point de mire et de pouvoir se relancer. Les Tchèques qui se relancent bien, qui ont quand même des facultés de démarrage assez importantes, les Italiens qui les attendent, les Italiens protègent leur ligne droite, si ça passe, ce sera là. Dans le virage, il n'y a pratiquement pas de danger, apparemment. À quelle vitesse ils vont sortir, il n'y aura pas de problème, ils ne seront pas inquiétés sans dans cette problème. Première manche de demi-finale. Premier les Italiens, deuxième les Tchèques. 67 km 777 de moyenne. Belle moyenne. Ça va vite, c'est une belle moyenne. Pour une première manche de demi-finale, ça laisse augurer près des 70 km/h pour la finale. Avec des Italiens là très très sereins, qui ont vraiment parfaitement maîtrisé la course, malgré les possibilités. Vous voyez, il est épuisé derrière Chiappa, ça épuise, hein. C'est pas parce qu'on est deux sur le vélo que les efforts physiques sont divisés par deux, loin de là. En plus, Christophe, vous savez, on a beau pédaler ensemble, c'est vrai qu'il y a des tensions et des pressions différentes. Je veux dire, les hommes ont des puissances différentes, même si elles sont tous très élevées. Et puis chacun par rapport à l'autre subit un petit peu la pression de l'autre et la façon de pédaler, même si une chaîne, et vous pouvez voir à droite les chaînes qui relient les deux pédaliers, eh bien il y a quand même, quand on a la pédale en bas, ce fameux temps mort qui fait qu'il n'est pas tout à fait au même endroit pour les deux coureurs. Et puis ça se ressent dans les muscles. Alors évidemment, c'est infime, c'est presque des données scientifiques et techniques, mais ça se relance. Et puis sur 4-5 tours, lancé à 67 de moyenne, gageons
les coureurs, quand ils se relèvent, eh bien, ils cherchent un petit peu l'oxygène, ils ont mal aux jambes. Le tandem, c'est ça, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que le public est aussi friand de ce genre de discipline. Et puis, on déplore qu'il n'y ait pas plus de tandem au départ. Encore une fois, il y a beaucoup de nations, notamment les Japonais. Nous aurions aimé les voir se produire. Les Japonais qui, depuis quelques années en amateur, avaient l'habitude de présenter un tandem. Les voir se frotter par exemple aux Allemands, Rasch et Nagel. Alors Rasch qui fait son retour, c'est le pilote Rasch, celui-là, 37 ans. Et, tenez-vous bien, il courait avec Morellon, Rasch. Sur la fin de carrière, mais quand même. Oui. Et quatre fois le dauphin d'Eslich. C'est quelqu'un de très rapide et il effectue son retour après trois saisons à août. Les Australiens qui ont du mal à se stabiliser là, vous voyez, petit problème. Et oui, ça fait 150 kilos. Absolument. Et malgré Gary Hall, il avait bien du mal à tenir. Et oui, souvenez-vous ses compatriotes. Souvenez-vous de Gary Hall qui était le compatriote dans les compétitions internationales, notamment au Japon, de Steven Pate, la grande concentration des Allemands. Oui, alors justement, on revient sur Rasch qui s'est arrêté trois saisons pour faire un sport un petit peu différent. Bon, différent, ça, c'est dans la préparation du pistard, mais il restait que dans la salle de musculation. Absolument, il a fait du bodybuilding pour incompatibilité d'humeur avec l'encadrement de l'équipe à l'époque où c'était l'Allemagne de l'Est. Enfin, c'est du passé. Maintenant, il voit les choses un petit peu différemment. Il est revenu serein et en plus, il est revenu très très fort. Il fait encore des chronos tout l'hiver, il se produit sur les pistes. Et notamment quand il avait remporté ce titre de champion du monde associé à Henke Pokorny, l'homme qui a fait troisième de la vitesse homme. C'était dans cette finale où il avait pu aller récupérer et gagner cette médaille qu'il méritait. C'est la raison pour laquelle il n'est pas présent sur le tandem. On ne peut pas préparer le tandem et la vitesse ensemble. Et c'est aussi la raison pour laquelle quand vous avez deux hommes qui font le keyring, à part Steven Pett, mais lui c'est une exception, faire le keyring et le reste, c'est compliqué. Vous avez vu l'intimidation d'Emmanuel Rasch? Ah oui, Emmanuel Rasch, là. Sale métier. Oui, il y a 37 ans d'un côté, puis il y a 20 ans, vous voyez les deux hommes les plus proches, là, l'Australien qui est pousseur derrière et puis le pilote allemand Rasch, c'est pas la même génération. Il y a une génération de différence. Alors moi là, je vais dire, c'est vrai qu'ils ont été très vite, les Australiens, on va presque donner les Allemands. Ils ont une capacité à démarrer, c'est assez effroyable. Et ils ont été champions du monde, hein, chose que n'ont pas été les Australiens. Ça doit motiver, même si les Australiens sont de challenger ici. Vous avez vu que ça part beaucoup plus vite, on ne s'épie pas. On n'a pas envie du tout de se faire arrêter par le braquet. Alors ça va être un beau sprint, hein. Plus c'est lancé, plus c'est joli. Emmanuel Rasch qui devrait normalement se décoller un petit peu pour lancer le tandem, où il va prendre la corde, mais enfin, comme on connaît le métier, Steven Pate c'est un vicieux. Il est pilote de ce tandem. Les deux hommes ont la tête tournée, alors ils n'ont vraiment pas envie de se faire surprendre. Normalement, c'est le deuxième qui a la tête tournée, le premier qui conduit. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le pilote est aussi souvent enclin à prendre des décisions, à prendre des initiatives. Les Allemands poussent le premier tandem à se lancer. Et bien pourquoi? Parce qu'ils ne s'en sentent pas dans leur allure. C'est pas eux à donner le train, c'est pas à eux à passer devant pour faire le train. Apparemment, ils préfèrent être derrière. C'est peut-être les seuls, mais c'est peut-être un point positif pour eux. Et mais courir derrière pour la finale. Le tandem australien qui a tout compris, qui se lance de loin, comme tout à l'heure d'ailleurs, on a pu voir ça dans les séries, dans le deuxième tour. Les Australiens qui sont devant pour l'instant, mais débordent les Allemands. Le dernier tour très très rapide avec Pate et Rasch, mais les Australiens qui font très très forte impression, qui font une petite vague, les Allemands qui ne débordent pas pour l'instant. C'est fini, les Allemands seront battus. Les Australiens remportent la première manche de cette demi-finale. Rasch et Nagel se sont relevés. Impeccable Australien. 17-120, 67-164 de moyenne. Il n'y a qu'un mot, surprise. Surprise pourquoi? Vous avez vu la capacité, les Allemands étaient debout, ce sont deux démarreurs. En plus d'être démarreurs, ils se sont mis debout pour être sûr de ne pas se faire surprendre. Ça fait deux fois qu'on voit les Australiens se lancer assis. Imaginez s'ils se mettent debout. Ils ont l'air d'avoir une force dans le dos. Ces deux-là, on se demande, c'est vrai, ça va très très vite. On se demande de la façon dont ils restent bien compacts. Alors, on a pu voir quand ils se sont mis debout dans le 200 mètres lancé, eh bien ça se désunissait un petit peu. Ils se sont dit, on a été très vite, il ne faut pas recommencer. Ils font tout assis. Ça veut dire qu'ils ont quand même une capacité. Il y a des chevaux sous le capot et c'est vrai qu'ils ne se font pas trop de soucis. Alors, pour que les Allemands se relèvent comme ça, eh bien ça va être technique la prochaine manche. Mmh. Et gageons qu'ils ne vont pas se laisser emmener. Malgré l'intimidation de Rasch, on sait pas trop comment il est, Danny Day, mais il doit être un petit peu comme tous les pistards, un peu chambreur. Ah bah, et puis, il va peut-être en rajouter sur la deuxième manche avec Rasch. Ils seront encore près l'un de l'autre et nul doute qu'ils risquent de s'échanger quelques regards. Pas trop catholique, si on peut dire. Oui, et puis pour vous qui faites du vélo, on se demande derrière comment peut-on faire confiance tout à fait au pilote. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si jamais on essaye de se pencher d'un côté quand le tandem se penche de l'autre, ou bien si on retient les pédales, eh bien il y a conflit, c'est évident, ça va beaucoup moins vite. Alors il faut faire une confiance aveugle pour le pousseur qui est derrière, une confiance aveugle au pilote.
Alors, la finale tant attendue, la finale du Kérin. Changement de journaliste entre-temps, c'est pas un petit peu une perturbation que vous avez entendu. Les téléspectateurs auront noté avec donc Une première surprise, évidemment, pas d'Allemand dans cette finale. Et ça, c'est quasiment une première. Vous voyez exactement qui va y prendre part avec Gary Neuwend, avec Martin Onstein, les deux héros finalement des demi-finales de la vitesse. Héros heureux en ce qui concerne l'Australien, héros malheureux en ce qui concerne Martin Onstein. Et puis également dans cette finale, le Français Frédéric Magnier, le Russe Nikolaï Kovch ici à l'écran. Le voici, Martin Onstein. Alors on revient sur le japonais là, Yoshioka, numéro 1 du cyclisme au Japon, enfin du sprint en l'occurrence du Kering. Je peux vous dire que ça a une super importance, hein. C'est pour ça qu'il est là, ils envoient toujours le meilleur, ça veut dire le numéro 1 de 4300 sprinters, je vous laisse méditer. Ouais, il va falloir les reconnaître les deux japonais, attention avec ici Gary Neuwend à la corde. Alors les deux japonais, eh bien il s'agit de Toshimasa Yoshioka et de Yuji Yamada. Le dernier est parti, Onstein qui ne sait pas trop encore, enfin je veux dire qu'il ne sait pas trop encore, c'est sa première finale de Kering. Onstein qui est habitué de faire du Kering chez lui, mais là c'est les championnats du monde, c'est autre chose. Gary Neuwend suivi du japonais, on va dire du japonais en attendant, parce que pour avoir un plus joli commentaire, il est dur de les reconnaître, c'est vrai qu'ils sont posés un petit peu pareil. Il y en a un qui a un gabarit un petit peu moins important, et eh bien ce n'est pas Yoshioka, c'est-à-dire que Yoshioka se trouve en avant-dernière position, il s'agit de Yuji Yamada ici, dans le sillage de Gary Neuwend. Suivi de Frédéric Magnier, suivi de Yoshioka, oui effectivement, et puis suivi de Nikolaï Kovch, qui lui en général aime bien voir comment l'action se déroule, et il n'aime pas imposer sa course, mais essayer de profiter des différentes actions qui pourraient s'y passer. On a cru voir deux Français tout à l'heure, et bien non, malgré les déconvenus, et bien malheureusement il n'y aura qu'un Français en finale, ça aurait été beau, deux Français, deux Japonais, mais ça reste dans le rêve pour l'instant. Deux Japonais qui vont sûrement pas courir ensemble, mais qui ne vont pas non plus se gêner. Qui ne vaut pas non plus se gêner, Martin Onstein, serein, il se retourne de temps en temps, pas assez à mon avis, mais ça le regarde. Gary Neuwend dans la roue, c'est apparemment le mieux positionné, parce que si Martin Onstein faisait l'effort, il est évident que vous avez pu voir dans les séries précédentes, sur cette piste, il vaut mieux être en tête que d'aller subir la course, se faire balader, et puis qui sait, de tomber, parce que c'est arrivé, je crois que ça nous l'a prouvé. Onstein se retourne, pas assez vigilant, mais enfin, on verra par la suite, c'est un avis tout à fait personnel. Frédéric Magnier est bien posé, un peu en sandwich entre les Japonais, mais gageons qu'il saura se dégager au dernier moment. Nikolaï Kovch derrière. Gary Neuwend qui se décolle un petit peu pour ne pas avoir de problème, pour se décoller, pour se décaler de la roue de Martin Onstein au moment où le dernier va swinger, où les hommes seront livrés à eux-mêmes. Alors dans quelques instants, eh bien, le dernier va se retirer. Et dans quelques instants, nous saurons eh bien, qui est champion du monde de ce. C'est la première fois qu'il y a des amateurs et des professionnels, ça a quand même son importance. Et oui, maintenant le peloton se groupe parce que tous ces hommes sentent que le dernier va swinger. Gary Neuwend regarde à droite, à gauche. Faites attention au japonais qui est devant. Oui, Yoshioka. Yoshioka, très bien parti si vous le voyez en gros plan. Il est maintenant en tête avec juste à ses côtés sur la Côte d'Azur. Alors qu'on aperçoit Frédéric Magnier entre Yoshioka et puis Onstein qui veut pas le se laisser emboîter. Ça frotte contre le japonais. Nikolaï Kovch qui est maintenant derrière, c'est pas une très bonne position. Gary Neuwend qui a confiance en sa pointe de vitesse et qui reste à l'extérieur. Frédéric Magnier qui est venu se mettre dans la boîte en pensant qu'il pouvait passer. Il va frotter avec Gary Neuwend, c'est pas très bon pour le Français. Pas très bon du tout, il est en dernière Yoshioka. Position. Attention au japonais Yoshioka qui est maintenant en tête et qui accélère Martin avec Martin Onstein. En très bonne position. Suivi de l'autre japonais, Gary Neuwend qui va essayer de faire l'effort pour déborder le japonais, qui va venir attaquer Martin Onstein. Yoshioka en tête, qui sera très dur à être passé. Et oui, il va garer Gary Neuwend qui maintenant se relève, qui essaye d'empêcher Nikolaï Kovch de passer. Alors que là, la boîte est ouverte pour laisser passer Frédéric Magnier, le japonais. Frédéric Magnier, champion du monde de Kering. C'est formidable. Il est venu passer en dessous sur le bleu. Que va-t-il se passer? Il est vraiment passé sur la ligne bleue. Il ne croit pas. On va un petit peu attendre la décision. La décision des commissaires, il est passé sur le bleu. Alors ça, c'est très très grave. Pour l'instant, il est champion du monde. On va pas s'enflammer trop vite. Le japonais pensait être abattable. Il ne sait pas lui-même. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas l'explosion de joie. C'est vrai qu'il est champion du monde pour l'instant.
Alors attention, ça serait quand même assez extraordinaire si à nouveau un Français était déclassé pour irrégularité. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Vous voyez dans le camp japonais, on n'est pas satisfait. Et du on a tout. Peut-être envie de porter réclamation parce que ça s'est vu, ça oui. serait pour voir la première fois dans les championnats du monde de Keirin. Bien sûr, on va revoir ça au ralenti. Alors au ralenti, avec Martin Einstein ici en compagnie de Yoshioka en tête à la corde. Vous voyez qui passe ? Eh bien, c'est le Tourangeau, Frédéric Magnier qui est bien. Et c'est finalement la faute, c'est le Japonais qui l'a commet. Il vient tasser un petit peu Frédéric Magnier qui doit passer sur la Côte d'Azur alors que pourtant le Français se trouvait bien placé en tête. Là, je pense qu'il n'y a pas d'irrégularité de la part de Frédéric Magnier. Non, puisque il a été contraint et forcé par le Japonais. Alors pourquoi Frédéric Magnier a pu venir s'insérer ? Pourquoi Frédéric Magnier a pu vouloir venir s'insérer ? Eh bien, tout simplement parce que Garignouan, en passant au-dessus de tout le monde, a ouvert la porte, a monté les coureurs. Et Frédéric Magnier, qui était dans la boîte, en a profité parce que c'était un petit peu l'occasion. Il a été opportuniste et puis c'est ça qui fait sa force à Frédéric Magnier. Il est champion du monde pour l'instant. On attend pour s'étaler un peu plus sur Frédéric de voir la décision, mais ça récompenserait la carrière formidable que fait Frédéric Magnier. Le punch, la volonté, et puis ça rachète aussi ses déconvenus de la vitesse. Frédéric Magnier qui a passé la saison 93 au Japon, il en a tout de suite tiré les meilleures leçons. Vous avez pu en avoir la démonstration. Et vous avez vu également Yoshioka qui n'était pas très content. Alors on revoit une nouvelle fois au ralenti. On va cette fois-ci s'attacher également à la place de deuxième et la place de troisième. Regardez bien Gary Newend, il est en retard. Là, il doit faire l'extérieur pour repasser. Évidemment, ce n'est pas facile. Il s'aperçoit, l'Australien, que cela ne passera pas. C'est dit, peut-être, il y va. Ça y est, il fait l'extérieur, il démarre. En même temps, bien sûr, Frédéric Magnier est en train de passer le Japonais. Le Japonais, Yoshioka, complètement en bout de course. Et regardez la remontée fulgurante de Gary Newend et de Einstein qui jette son vélo, mais c'est finalement Gary Newend qui vient prendre la deuxième place, l'Australien médaillé d'argent après sa médaille d'or en vitesse, qui rate là un petit peu le encore doublé. Une fois le ralenti, on espère, pour vous expliquer. Alors Frédéric Magnier passe en dessous, puis le Japonais, voyant Einstein et Newend au-dessus, il est obligé de monter pour leur faire une vague, pour un petit peu les contrer, et c'est la raison pour laquelle Frédéric Magnier en a profité pour passer. C'était formidable, hein. Si c'était jugé d'avance, c'est vraiment super. Et puis il y a pas de mots, c'est le pied pour Frédéric Magnier, il ne sait pas trop quoi penser, il attend la décision. S'il pouvait être champion du monde, eh bien Frédéric, on pense à toi, quoi. Ce serait formidable. Et oui, imaginez, il avait déjà obtenu des titres de champion du monde, mais à chaque fois c'était un titre qu'on devait un petit peu partager, c'était le titre du tandem, c'est bien sûr, mais jamais Frédéric Magnier n'avait pu concrétiser tout seul. Combien de fois il s'était présenté parmi les favoris du kilomètre? Cette année il était également très fort dans cette discipline, il avait dû s'incliner face à un tout jeune Florian Rousseau. Il a bien fait d'ailleurs, puisque Florian Rousseau a quand même récolté la médaille d'or. Et Frédéric Magnier, toujours déçu, toujours présent, jamais gagnant, toujours placé, toujours avec beaucoup de panache, beaucoup de générosité. Regardez un petit peu avec Gary Newend comment ça se bouscule là. C'est Gary Newend qui l'envoie sur la Côte d'Azur un petit peu là. C'est incroyable. Gary Newend va ouvrir la porte là, encore une fois. Le tour qui précède l'arrivée, le tour à la cloche, et vous le voyez, Gary Newend qui vient se placer. Alors là, c'est pas bien pour Frédéric Magnier, c'est pas Versailles du tout. Il se retrouve en dernière, c'est tout ce qu'il fallait ne pas faire. Mais... c'est ça qui est extraordinaire, c'est de le voir si mal placé à cet instant de la course, et regardez bien le français. Il a peut-être reçu une décontraction en se disant, zut, c'est fini, parce qu'on a parfois des flashs comme ça dans le Keirin. Oui, j'ai plus rien à perdre. Voilà, ça l'a permis de rester lucide, exactement, Patrick. Et donc il a attendu, il est resté collé au paquet en se disant, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il sait, par rapport à l'expérience qu'il a vécue au Japon, qu'un finish de Keirin, ça s'écarte tout le temps, ça finit sur une ligne. Regardez le Japonais, on a presque l'impression qu'il protège le sprint de son collègue. Gary Newend, à ce moment-là, essaye de venir attaquer à l'extérieur. Frédéric Magnier essaye de faire l'effort à l'extérieur, alors peine perdue. Et puis il va replonger à l'intérieur, et à nouveau la porte va s'ouvrir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit à cet instant, alors qu'on passe sous la cloche, et bien on voit que Nikolaï Kovch est complètement dépassé. On voit également que l'autre Japonais n'est plus dans la course. Ces hommes déjà en bout de course, et c'est ce qui va un petit peu profiter à Frédéric Magnier pour pouvoir remonter. Alors on regarde une dernière fois également le Japonais, Yoshioka, qui fait un premier écart vers la gauche, vers l'Américain, qui se rabat cette fois-ci vers Frédéric Magnier. On voit également le mouvement du corps de Frédéric Magnier pour éviter le Japonais, qui là également perd quand même, malgré tout, quelques dizaines de secondes. Ça ne suffit pas, et bien cela permet néanmoins au Tourangeau de s'imposer. Alors un titre de champion du monde depuis le temps. Depuis le temps qu'il y avait des Français en finale, c'est vrai que le titre n'avait jamais souri, aux Français. Le Keirin qui est arrivé dans le circuit international, au championnat du monde d'ailleurs en France, c'était à Besançon. Et c'était Daniel Morellon qui avait conquis la première médaille pour la France. Je pense que c'était
est une médaille d'argent. Il avait fait troisième en vitesse, alors derrière Nakano, championnat du monde à Besançon, qui avait été remporté par Danny Clark. Beaucoup, beaucoup de questions dans le clan français, on se demande. Et en ce moment, les juges sont en train de délibérer. Et donc ce titre de champion du monde de cycling qui n'avait jamais été abordé par les Français ni gagné, c'était passé près pas mal de fois. Mais il n'y avait jamais eu de concrétisation, chose qui sera peut-être faite aujourd'hui. Moi je vais dire 70%. Alors là, attention, effectivement, la décision des commissaires de déclasser Frédéric Magnier. Oh là 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 là. Alors, on voit apparemment ce qu'on peut en retirer. Le Japonais a fait une erreur en balançant. Il n'y a pas d'autre mot, Frédéric Magnier. Frédéric Magnier a fait une erreur en balançant. Et là, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas moi qui est là pour juger. Là, on n'est pas d'accord. Et puis, celui qui est passé relativement clean au-dessus de tout le monde, eh ben, c'est Nguyen. Et c'est lui qui récupère un petit peu le combat. Il a été fait devant, lui, il est arrivé par derrière. C'est vrai qu'il allait vite, mais en fait, il n'a pas eu à subir parce qu'il se pensait aussi battu. Et malheureusement, Frédéric Magnier est déclassé. Et que dire de ça? C'est à la limite. Ah ben c'est terrible, évidemment. On ne peut pas céder comme ça à la déception. On aura tout vu dans ce Kirin, on aura tout vu. Oui, c'est un Kirin hors du commun que nous avons vécu aujourd'hui. On se met un petit peu dans la peau de Frédéric Magnier. Il doit ressentir évidemment une terrible déception, certainement une terrible injustice, parce que bon, au pire des cas, on peut estimer que le sprint est limite, mais de toute façon, imaginez dans la peau d'un athlète, ce n'est pas limite. Non, c'est le Kirin. Alors on est d'accord, là ils ont essayé de que les lois soient un petit peu plus strictes, mais il ne faut pas pousser, là on aura tout vu. Il y a bien des années où ce serait passé, notamment à Vienne, rappelez-vous. À Vienne, rappelez-vous, on a pu voir Claudio Golinelli faire sa médaille en passant au-delà de la ligne bleue, carrément sur le bois à l'intérieur. Alors que doit-on penser? Mais c'est vrai que c'est les commissaires qui font un petit peu la loi. Et maintenant, les lauriers, les félicitations de la famille de Gary Nguyen qui remporte ici ce deuxième titre de champion du monde. Et grosse déception sûrement dans le clan français pour Frédéric Magnier. Ah bah Gary Nguyen, il n'a rien à se reprocher. De toute façon, il a fait sa course, une course tout à fait régulière. Il recueille un petit peu le fruit livré par les commissaires. Ça fait drôle un coureur qui passe pas la ligne, qui passe en troisième position en plus. Alors moi je voudrais savoir, à la limite Frédéric Magnier, il passe en deuxième position. Gary Nguyen passe en deuxième position. Yoshioka est battu de toute façon, est battu par Gary Nguyen. Il n'est pas déclassé. Yoshioka, il obtient la médaille de bronze, et on a vu de l'autre côté de la ligne. De toute façon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage de voir un titre délivré à un coureur qui ne franchit pas en ligne l'arrivée. Mon Dieu, quelle image! Oui, absolument. Oui, on avait pu voir au Japon Stephen Pay qui avait été déclassé alors qu'il avait gagné devant Michael Hübner pour la même raison. C'est la consternation dans le camp français. C'est tout le monde. Vous avez pas remarqué que dans le Vélodrome, tout le monde est un petit peu baba là, tout le monde est resté sur sa faim. Il a manqué quelque chose, un petit peu la surprise. Mais c'est les championnats du monde, et puis c'est ça, c'est le Kering, c'est plein de rebondissements, c'est les favoris qui tombent, et malheureusement, bien entendu. Et puis c'est des résultats qui sautent. C'est le Kering, et c'est peut-être un peu ce qui fait un peu le malheur de la publicité du Kering dans le circuit international du cyclisme. Et Gary Nguyen, contrairement à ce que nous vous disions tout à l'heure, et bien donc réalise le doublé après trois années de domination de Michael Hübner, trois années de domination absolue de l'Allemand, qui avait d'ailleurs réalisé à deux reprises le doublé vitesse et Kirin. Et bien cette fois-ci, c'est l'Australien Gary Nguyen qui réalise ce doublé. Et par conséquent, eh bien voilà, je vous livre le podium. Gary Nguyen en tête devant Nunstein, deuxième l'Américain, troisième le Japonais Yoshioka. Retour à plus de clémence avec une demi-finale à 2 à 4. Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Bon, sérieusement, la deuxième manche de la demi-finale entre les Italiens et les Tchèques. Tout à l'heure, ça avait été très net. Les Tchèques avaient été battus d'une bonne longueur. Les Italiens, Paris et Capa semblent puissants, tactiques, malins et tout ce qu'il faut pour remporter un sprint. On va voir si en deux manches sèches, ils peuvent s'imposer et se qualifier pour la finale de ce championnat du monde de tandem. La concentration des coureurs italiens. Le coureur italien Federico Paris qui apparemment a un petit émetteur. Vous pourrez voir le fil qu'il a dans le cou. Il l'avait déjà tout à l'heure, oui. Voilà, un petit émetteur.
depuis tout à l'heure, qui lui permet, je pense, de communiquer avec son entraîneur. Vous savez, c'est une bonne chose aussi quand l'entraîneur n'a pas besoin d'être sur la piste. Et bien tout simplement, ces coureurs ne peuvent pas deviner les ordres qui sont donnés par l'entraîneur, éventuellement de démarrer par exemple, à la limite, comme ça ils pourraient, eux, voyant leurs adversaires recevoir des ordres, et bien faire absolument cette tactique et puis les contrer relativement facilement. C'est une bonne tactique et une bonne façon d'opérer de la part des Italiens. Alors on n'arrête pas de progrès, on a vu ça sur la route, et bien maintenant en tandem sur piste, c'est une surprise, mais c'est une bonne chose, ça fait évoluer le sport sur piste, le cyclisme, et notamment le sprint, le tandem, ça en a bien besoin. Oui absolument, il a une oreillette, là, c'est, oui, oui. Il doit recevoir des ordres. Alors avec ce tandem tchèque au pilotage Drtchemanec, c'est assez imprononçable, qui arrive sur ce tandem aux côtés de Lubomir Hargas, deux fois vice-champion du monde, lui c'était avec Buran, il a deux médailles d'argent, deux médailles de bronze. Hargas, et il en a vu passer devant lui des pilotes. Vous avez pu voir, là, on a vu un hochement de la tête de la part de Paris, comme s'il disait oui. Alors, c'est vrai qu'il dit des ordres doivent fuser. Enfin, à la limite, ils n'ont même pas besoin de cette communication avec l'entraîneur pour être au-dessus et pour être favori de cette deuxième manche de demi-finale. Ils sont deuxièmes. Je crois que c'est le scénario un petit peu de tout à l'heure, à un certain moment de la compétition. Alors, vont-ils prendre la tête? Vont-ils venir passer? Je pense que pour plus de sécurité, ils viendront prendre la tête comme ils l'ont fait. Ils ont l'air assez forts. Kiappa est un pousseur de talent. Kiappa qui fait son premier championnat du monde, lui en tandem, Paris, qui d'habitude était le passager de Capitano et qui faisait un petit peu la tactique, mais qui apparemment s'est fort bien habitué à être devant et à conduire ce tandem italien. Ah, peut-être sur peut-être place. Une petite séance de sur place avec les Tchèques qui vont forcer. Non, ils n'y parviendront pas, les Tchèques. Et finalement, contraint de rester devant ce tandem tchèque, derrière les Italiens qui, pour l'instant, contrôlent la course, surveillent. Semble assez serein. De toute façon, on est toujours plus serein quand on vient de remporter une manche, oui, que quand on l'a perdue. Parce que c'est la dernière chance pour les Tchèques, c'est pas la dernière chance pour les Italiens. On a presque l'impression que les Tchèques, regardez, on les sent pas bien, enfin pas bien dans la course, pas bien concentrés. Bon, ils regardent, on lit pas toujours la concentration sur la tête de tous les coureurs, mais enfin quand même. Ça se lit bien du côté des Italiens. Regardez, ouais, Paris, ouais, et Kiappa, les yeux sont rivés. Ah peut-être, là voilà peut-être notre séance de surplace, ils ont du mal quand même. Ouais, ils ne pouvaient pas dans le virage, hein. Juste après la ligne, c'était le virage. Aller caler un tandem dans le virage, c'est pratiquement impossible. Les Italiens savent, et ils n'ont peut-être pas besoin de s'embêter à faire du surplace, mais ils vont quand même répondre, ne serait-ce que psychologiquement, à la tentation de tandem. Vous voyez, ah là là là, ah, là. Il craque. Alors là, craque, un petit Paris. Point psychologique d'avance, voilà. pour les Tchèques. Voilà, et eh bien applaudi qui plus est, le public qui en rajoute, ça fait du bien au moral, effectivement. Ah oui, ça se voit, vous avez vu tout de suite le visage changé. Le visage de guerrier, hein, ouais, du côté de chez Drtchemanec. Ah oui, absolument, un petit point positif. Le sprint n'est pas fini, mais enfin ça montre que on les avait cru pas motivés et puis un petit peu les bras en bas perdus. Et bien, c'est là, pas du frotte. Tout le cas. Ouais, ouais. Alors là maintenant Paris est forcément les Italiens un petit peu vexés qui vont aller chambrer les Tchèques sur la piste. Alors là, normalement, il n'y a plus vraiment il va plus y avoir vraiment de... Enfin, non, pas de suspense, loin de là. Le tandem, c'est toujours du suspense. Le Paris, il n'a pas vu, là. Voilà, il voit maintenant seulement, il descend sous la ligne d'Esteyer. Oui, mais il a glissé un petit peu. Oui, ouais, ouais, on a entendu le bruit de la roue. Normalement, il va se lancer, Paris, parce que il doit avoir un petit peu les boules, comme on dit, parce qu'ils se sont fait prendre à sur place, et ça fait partie des matchs de sprint. Ils se laissent bien décoller, les Tchèques, tout ça pour prendre plus de vitesse, parce qu'ils ont vu que tout à l'heure, eh bien, ça butait un petit peu. Il faut qu'ils soient un peu plus rapides. C'est-à-dire qu'au moment où ils prennent rapide. La décision, là, en tandem, ça se gagne au moment où on vient prendre sa place, au moment où on dépasse l'adversaire. Plus que sur la ligne, d'ailleurs, vous avez vu que les tandems dans la dernière ligne droite pratiquement se relevaient. Alors il est évident qu'au moment où ils vont dépasser, ils donneront 200% de leur potentiel pour prendre la place, parce que la décision, elle se fait tout de suite en sprint. Il ne faut pas hésiter, c'est en une fois. Ils l'ont bien compris, les deux tandems, et c'est pour ça que ce jeu de chat est à la souris. Ça accélère sous l'impulsion de Federico Paris qui pilote le tandem italien derrière, Kiappa, c'est la puissance. Kiappa qui fait des petites erreurs, il regarde devant et voilà Kiappa qui doit. Et voilà. Aïe, aïe, et la chute, l'erreur de Kiappa. Et vous avez vu, il ne regardait pas. Kiappa, c'est ça le manque de métier. Il regardait tout droit en même temps que Paris, alors qu'il n'avait pas du tout à regarder devant. Il doit avoir une confiance à 200%, même si c'est toujours facile derrière la télévision de dire, eh bien voilà, il a fait une erreur, mais c'est vrai. Il aurait dû regarder derrière, il aurait vu les Tchèques partir, il se serait lancé un petit peu plus, ils n'auraient pas eu à démarrer, ils n'auraient pas glissé. Enfin, vous avez raison, tout à l'heure, vous avez souligné, Christophe. Ils ont glissé déjà une fois. Voilà, tout à l'heure, on l'a entendu. Cette piste glisse, hein, c'est évident, ouais. Avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez vu, ils ont démarré et puis la roue arrière a glissé, ils ont perdu l'équilibre. Enfin, c'est pareil, s'ils sont un petit peu plus vite en vitesse, ils ne doivent pas glisser normalement.
Bon, bon combat tactique voilà. Des Tchèques. Maintenant, alors imaginez, si alors jamais ils n'avaient pas glissé, terrible, hein. Ils auraient perdu parce que ouais. Au moment où ils tournent la tête, les Tchèques ont déjà 30 mètres d'avance en tandem, ça pardonne pas. Mais bon. Voilà, petite erreur de vigilance. Ils ont voulu partir trop vite, c'est-à-dire qu'ils ont voulu profiter de la pente, mais un tandem, ça vous prouve bien que c'est pas un vélo de sprint. Et puis là où un homme serait passé, eh bien deux, ça passe pas, il y a trop de poids. Avec la puissance, la roue a glissé, il n'y a pas de mal, bien heureusement. Mais il y aura donc une belle pour la qualification en finale, belle entre les Tchèques et les Italiens, et bien les Tchèques qui finalement jouent bien les troubles faites. On a senti, hein, Christophe, qu'il allait se passer quelque chose. La deuxième demi-finale, duel de costaud entre l'Allemagne et l'Australie, avantage Australie, les Australiens impressionnants qui ne se sont pas levés de la selle à l'occasion de la première manche et qui ont remporté devant les Allemands, qui ont remporté facilement devant le tandem pourtant réputé Rasch Nagel. Pensez que les Christophe, que les Allemands vont se laisser prendre la deuxième position. La première position, eh bien moi ça m'étonnerait bien. Par rapport à ce fort affaire. En plus, en ce moment, tout sourit aux Australiens. Hein. C'est vrai. Hein, Non, mais absolument. Vous savez que ça fait une émulation. Hein, c'est comme dans tous les sports. Il y a une émulation. Et ben, il y a des maillots de champion du monde. Il y en a deux, trois. Trois maintenant. Ah, oui, avec, c'est formidable. Avec Gary Neuwend. Vous imaginez le deux sur les épaules de Gary Neuwend et un qui ne. Bon, celui-là qui ne souffre aucune contestation en poursuite par équipe. Là sur le Kérin. Alors n'oublions pas que ces hommes. Alors on voit un tandem australien. Pourquoi c'est le tandem qui a gagné le championnat national? Tout simplement parce que ces hommes, n'oublions pas, sautent au championnat du monde à leurs frais. Ou ils payaient et ils venaient ce qui s'est passé, ou bien ils attendaient que la fédération paye et la fédération australienne ne rembourse les billets que si les coureurs font des résultats. Nguyen, il avait absolument envie de se faire rembourser son billet, il l'a très voilà. Bien compris, les poursuiteurs aussi. Alors si vous voulez, ces hommes, bah, ils sont là parce qu'ils voulaient, pour la volonté de gagner. Alors nous dit qu'ils vont faire le maximum. Les Allemands qui ne veulent pas se laisser prendre la première position, les Australiens qui ont tout compris qu'ils se lancent avant. Ça va être dur. Ils vont aller monter un petit peu dans le virage. Bon, déjà raté. Alors un effort raté en tandem, ça reste dans les jambes, mais l'effort était ça aussi. Ça va être difficile. Regardez ça, ça part très 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 vite avec les Australiens qui provoquent les Allemands dès le début de cette course. Mais ils sont toujours deuxièmes. Ah oui, alors deux démarrages pour rien, ça doit toxiner déjà, imaginez, il reste plusieurs tours encore. Et voilà les passage Allemands. On d'accord maintenant avec les Allemands qui serrent. Oh, il y a faute alors. Non, mais ça continue, mais c'est un. Oh ouais, oh là, la là, chute là. Alors, si on déclasse. Ouais, non, mais c'est si, on déclasse, si on déclasse un Frédéric Magnier pour. Ouais, non, mais il faut arrêter. Non, mais il y a un problème de piste évident. Vous allez là, voir. C'est élimination. Ouais, non, mais c'est évident. C'est évident. Ils les ont bousculés. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est terrible. Ça tourne, ça devient ça n'importe tourne, quoi. Là. C'est mauvais pour la piste, tout ce qui se passe. C'est vraiment. Et ça, c'est jamais vu dans les championnats du monde depuis bien des années. Jamais. C'est historique. Elle glisse cette piste, mais au-delà de ça, il y a les hommes, il y a des contacts exagérés. Voilà, et maintenant ça part. Alors, un petit point de précision. Apparemment, les Australiens sont tombés. Il y a une petite vague des Allemands. Moi, ce que je peux voir, c'est que les Australiens vont déjanter. Ouais. Pourquoi? Parce que les roues ne sont pas entoilées. Vous vous rappelez qu'on dit qu'ils avaient un petit peu tourné le dos à la sécurité? Eh bien voilà, on voit le boyau qui s'est séparé de la jambe. C'est impensable. Alors on va encore laisser une fois les juges qui vont regarder le film. Oui, mais bon, là il faut revoir en ralenti les Allemands qui ferment la porte véritablement. Les Australiens sont quand même très très bas. Ils sont plus sur la piste à ce moment-là. Alors à la limite, je ne sais même pas si les Allemands ont fait une erreur. Faudrait voir parce qu'ils sont quand même allés les chercher, ça se passe tellement vite, mais en tout cas c'est pas bien beau. Hein. C'est pas très net là ce qui se passe. Vanidey est touché physiquement et on donne peu de chance aux Australiens de se rendre en finale. Ça va mieux pour Stephen Pate. Vanidey qui récupère aussi un petit peu. Jeune qui fait une entrée fracassante. Ah ouais, voilà, les Allemands sont éliminés. Et celui-là, il a un visage de guerrier. On parlait tout à l'heure de guerrier. Il est arrivé. Il a la rage. Hein. Il s'est fait chambrer tout à l'heure par Rasch à l'occasion de la première série. Il est tout jeune, il arrive sur le tandem. Il veut bien prouver qu'il est fort également. Alors, une autre chose encore, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'enchaîne, bah, c'est déplorable. Vous imaginez les Français qui ne sont pas au départ, et nous ne saurons absoudre ici ceux qui en sont les responsables. Hein. Et puis, alors il n'y avait pas assez de tandem, alors ensuite ils sont plus que 6 tandems, et puis il y a un tandem de déclassé. Mais où va-t-on? On est en train de voir mourir une discipline spectaculaire, et c'est très dommage. Hein, on peut pas, on ne sait pas vraiment qui est incriminé, parce que c'est un petit peu le système, et puis les événements qui s'enchaînent malheureusement, mais c'est une discipline qui meurt. Spectaculaire pour autant, et non pas par ses chutes, parce que ça va vite, parce que ce sont des hommes forts, ça a une plastique pas possible ces épreuves, mais malheureusement ça n'ira pas au crédit de cette épreuve.
Oui, mauvaise série en tout cas, la série de chutes, et c'est un petit peu dommage. Et puis il y a ce déclassement également de Frédéric Magnier, tout ça, ça sent pas bon. Et puis ça, le Kering, ouais, vraiment. Alors là, je peux vous dire que le sprint, et puis je crois que vous l'avez très bien senti, vous téléspectateurs, le sprint en prend un coup. Je veux dire, c'est bien dommage. Que dire, hein, on est un petit peu dans l'expectative en voulant écouter la réaction un petit peu de tout le monde, et puis ces juges, et puis les commissaires, et puis ensuite les différents responsables des nations qui portent réclamation, ces coureurs qui eux essayent de faire leur métier au maximum, de courir et d'être passionnés par leur sport. Et puis voilà, il se passe toutes ces choses un peu malencontreuses pour la piste. Alors italien. Ah, c'est presque un championnat par élimination. Alors attendez, là il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu réclamation des Italiens et la manche n'a pas été accordée aux Tchèques. Le problème il est là. Allez savoir pourquoi, nous on n'en sait absolument rien. En tout cas, sur l'incruste qui vous est apparue, La manche n'a pas été accordée aux Tchèques. Il y a une manche à zéro pour les Italiens. Alors ça, c'est étrange. On n'ose même plus se prononcer tellement il y a de changements. Je peux vous assurer que par rapport au communiqué, il n'y a pratiquement rien qui était en ligne. Alors on essaie de faire le maximum pour vous donner de bonnes informations et que vous soyez vraiment au courant avec de vraies informations au fur et à mesure des épreuves. Mais c'est relativement compliqué. La preuve, c'est que... Ils ont peur de rien, ces deux-là. Ils ont peur de rien, les deux-là. Oui, nous sommes encore dans le vague. Ah oui, vraiment, mais qui va finir ces championnats du monde? Qui va finir ces championnats du monde sur le vélo? Et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une vague, bon, ils se sont fait enfermer et puis ça déjante. Alors là, c'est impensable. Un petit point comme ça, au-delà de l'erreur technique des Allemands, un petit point mécanique, alors ça c'est impensable, de voir un boyau déjanté sur un tandem qui est piloté par un homme de métier comme Steven Pate. Et peut-être que là, on revient sur le fait que ces hommes sont un petit peu livrés à eux-mêmes, qu'ils préparent leur matériel eux-mêmes, qu'ils paient leur matériel eux-mêmes. Ce qui est rassurant, c'est de voir le fair play entre les hommes quand même. Oui, bien heureusement. Ce qui vient de se passer. Bien heureusement, même si on a pu voir le point rageur plus pour le résultat que pour la colère qu'il avait contre ses adversaires, du jeune Australien qui est passager. Danny Day. Et ils s'en sont bien remis, ça saigne un petit peu, mais ils ont vraiment la grosse santé, ces Australiens. Elle a été baptisée et rebaptisée. Je peux vous dire qu'il y a rarement eu, dans un seul championnat du monde, sur une piste neuve, autant de chutes. Je crois que quand elle va être vendue, parce que vous savez que c'est une piste qui ne sera pas conservée, ce Drakkar à Hamar en Norvège, cette piste sera démontée pour faire place à la patinoire. Absolument, qui servira pour les Jeux Olympiques. Concours de hockey sur glace. Alors, il faut qu'on revoie ça, parce que maintenant, il y a une autre histoire qui se présente. Vous aviez dit, Christophe, tout à l'heure, on arrivait avec le tandem à des épreuves un peu plus sereines. Ils n'accordent pas, regardez, on voit le tableau, informatique. Non, mais c'est l'Italie qui avait gagné. L'Italie mène une manche à 1-0, mais sur la deuxième manche, alors, pourquoi les Tchèques n'auraient pas gagné? Il y a une manche partout, normalement. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné la deuxième manche au Tchèque? Là, c'est le gros problème. Alors, il y aurait une manche pratiquement d'annulée. La deuxième manche aurait été annulée entre les deux, parce que normalement, il devait y avoir belle. Normalement, ce serait la belle. Si le résultat avait été conservé, le deuxième résultat. Ah ouais, non, mais il n'a pas dû être conservé maintenant. Non, tout dépend si ça s'est passé dans le dernier tour, ce qui n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle, tout s'éclaircit. Après ce dernier communiqué, tout s'éclaircit, et bien tout simplement parce que les commissaires n'étaient pas aussi vigilants. Ils ne savaient pas exactement si ça s'était passé. Ils avaient besoin de revisionner la manche, si ça s'était passé dans le dernier tour, auquel cas le résultat aurait été acquis. Ça n'était pas le cas. Et puis tant mieux pour ces Italiens, parce qu'ils ont fière allure, ils vont vite, et on a envie de les voir aller disputer la manche de tandem. Des rustines un petit peu partout sur le corps de tous les sprinters en général, pratiquement. À l'infirmerie qui marche à plein tube. Hein. Ceux qui arrivent à passer, comme Frédéric Magny, malheureusement, salut à Frédéric en passant, malheureusement, ils sont déclassés. Alors c'est vrai que l'infirmerie a beaucoup de travail. Vous pouvez voir au passage le renfort du tandem tchèque sous le vélo, un tandem très très rigide. Voilà, Federico Paris qui se concentre maintenant de grandes respirations. Ces deux hommes chaussés les lunettes qu'on voyait beaucoup sur le Tour de France, sur l'un des Tchèques. Ça, vous voyez, ce sont des méthodes de sophrologie, voilà. La grosse respiration comme ça. Et Dieu sait si la sophrologie aide à pouvoir disposer de son potentiel physique et mental au maximum et sur commande. Et ils en ont bien besoin, vu la façon dont se déroulent tous ces matchs. Les Tchèques en tête, les Italiens qui normalement ne devraient pas se laisser reprendre une deuxième fois. Frédérico Paris a dû secouer un petit peu son collègue, qui est pétri de classe.
mais en tandem, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il a un petit peu la tête dans la lune, le jeune Chiappa. Et toute l'expérience de Federico Paris pendant cette interruption, eh bien, a été nécessaire à remobiliser les troupes transalpines. Et c'est reparti pour un match tactique et peut-être pour le surplace des Tchèques qui le réussissent très bien. On va peut-être revivre le même scénario. On prend les mêmes et on recommence. Le public applaudit et puis il respecte en même temps la concentration des hommes. Le public sent la tension parce qu'elle est évidente et elle est nécessaire. Et puis il retient son souffle, applaudit du bout des doigts, ne voudrait pas trop enflammer les débats parce que il y a vraiment trop de chutes et vous savez, ce sont quand même les connaisseurs qui sont dans le vélodrome. Et une chute comme ça sur parquet, ça fait toujours très 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 mal. Ça brûle énormément déjà et quand. Si ce n'est que brûlure à la limite, c'est bien, mais s'il y a traumatisme. Il y a un certain comportement de la part des Italiens qui étaient à mi-piste, qui regardaient à droite, alors à gauche, c'est-à-dire vers le bas de la piste, alors que les Tchèques, eux, étaient à droite. Messieurs les Italiens, il faudrait que vous puissiez vous réveiller un petit peu, soyez vigilants, parce que les Tchèques, même s'ils savent. Ils tournent chacun la tête d'un côté, comme ça, ils sont sûrs de rien louper. Ouais, ils ont dû nous entendre, ils savent qu'ils sont en infériorité, c'est au niveau chronomètre. Ces Tchèques, alors ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir. Et je peux vous dire que c'est un petit point. Le surplace tout à l'heure et la chute, eh bien ils vont sûrement s'en servir psychologiquement pour essayer de faire la différence. Aux qualifications, il y avait une demi-seconde d'écart entre les deux tandems. C'est énorme. Et voilà, les Italiens qui sont à mi-piste, c'est une façon eh bien, de garder de deux côtés de la piste. Il va falloir qu'ils progressent un petit peu dans leur allure, qu'ils se lancent. Alors là, c'est carrément les deux coureurs italiens qui tournent la tête pour être sûr de ne pas être surpris. Federico Paris, du coup, a décidé de vraiment prendre les choses en main. Et éventuellement pallier à une erreur qui peut être faite par son jeune camarade de Chiappa, la dernière petite merveille du cyclisme italien. Et du coup, Chiappa maintenant, qui s'est fait remonter les bretelles avant cette nouvelle manche, ne regarde plus devant. Ah non, il tourne la tête, c'est évident. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors pourquoi au Balustrade ? Tout simplement parce qu'on peut se profiter de la descente de la piste pour éventuellement contrer un démarrage. Et puis comme ça, ils n'ont qu'un côté à guetter, c'est bien plus facile, c'est-à-dire l'intérieur de la piste. Alors imaginez que les Tchèques veulent se lancer à l'intérieur, et bien ils se feraient fermer la porte par les Italiens. S'ils passent par au-dessus, les Italiens les attendront, eux prendront la corde et les monteront. Ça paraît relativement facile, sur le tandem c'est autre chose. Les Tchèques qui se décollent pour pouvoir prendre de la vitesse, on a vu le même scénario tout à l'heure, ils se mettent en danseuse. Les Italiens ont tout compris, ils se lancent, est-ce que ça va suffire ? Ils les auront poussé une première fois, c'est déjà un point positif pour la du sprint. Deuxième attaque, mais attaque trop en douceur, là c'est téléphoné, c'est comme ça que s'appelle une attaque un petit peu en bémol comme ça. Les Italiens qui se lancent maintenant dans le dernier tour à pleine vitesse, ce sera très dur pour les Tchèques qui vont essayer de faire l'effort maintenant. Ils ont les Italiens en point de mire, ça va être un petit peu court pour venir les sauter. Ils se relèvent déjà. Et les Italiens sont en finale. Ils sont en finale à 68-551 et 10-503 au temps. On descend, descend de plus en plus vite. Le public maintenant se libère, ils applaudissent, ça s'est bien passé, tout le monde s'est dit Chiappa aussi se libère. Oui, absolument, tout le monde se dit ouf, il n'y a pas eu de chute, et puis bien heureusement et tant mieux. Alors Chiappa, c'est le relation publique, lui, il fait les applaudissements, vous l'avez vu. Federico Paris, lui, ne peut pas lâcher les mains parce qu'il a un bébé de plus de 85 kilos derrière. Alors c'est Chiappa qui s'occupe de remercier le public, puis Paris se dit, il n'a pas fait d'erreur, si quand même il ose, et bien tant mieux. Voilà, les Italiens se retrouveront en finale opposée à l'Australie dans la finale de ce tandem. Pour la troisième place, ça se jouera entre l'Allemagne et la République tchèque. Each stand with its 17,000 seats and a shopping mall incorporated too is believed to boast the largest cantilever span in the world. And a man whose career span is longer than most, David O'Leary, is first choice again at the age of 35. After spasmodic appearances for Arsenal over the last 2 years, and after picking up 2 Cup winners' medals and a testimonial last season, he moved to Leeds on a free transfer. Injury doubts over O'Leary and new £2.7 million striker Brian Deane have cleared up, so Leeds are unchanged. Number 22, Gary Kelly, a 19-year-old right-back from Ireland, and number 25, Noel Whelan, an 18-year-old England youth striker, have both been given their chance in the first 3 matches. Norwich have also been unchanged so far. They played well at Blackburn on Wednesday and have stayed in the north since. Number 22, Chris Sutton, who scored twice at Ewood Park, can also point to a hat-trick.